Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ou du moins, qu'est-ce qu'il lui a donné? La bénédiction. Mon frère, Dieu t'a donné la bénédiction. Et ce que Dieu veut, c'est que l'homme là soit heureux. Tous les hommes, hein, que tu sois bon, que tu sois méchant, que tu le craignes ou pas, lui, tout ce qu'il recherche, c'est que l'homme soit heureux. Vous voyez, la preuve en est, c'est que dans le jardin d'Éden, Dieu a tout donné à l'homme. Dieu lui a tellement tout donné que l'homme lui-même a décidé d'aller au-delà de cela et s'est livré quoi au péché. Mais qui était là? Qui était là pour pousser l'homme au péché? C'est le diable qui est venu présenter quelque chose et l'homme lui-même a accepté de pécher. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes combattu dans la vie, si vous voyez que dans votre vie c'est difficile, si vous voyez même que vous êtes chrétien et qu'à la maison on vous combat parce que vous priez, c'est parce que là devant vous se tiennent de bonnes choses. Vous allez réussir. Vous avez une étoile qui brille. Et c'est parce que votre étoile là brille tellement que ça gêne le diable et ses démons. Ils vont vous combattre sérieusement. Mais Dieu sera sérieusement avec vous aussi pour vous garder. Voici l'histoire. À la maison, ce jeune là priait. En fait, d'abord, il n'était pas chrétien. Quand il n'était pas chrétien là, tout le monde le respectait. Hein? On lui disait, ah, ça va, tu es vrai, tu es chic. Quand il le voyait, les femmes à la maison, oh, tu es joli, toi tu es un gars, ouais, faut faire, tu as l'ancienneté, ça va finir. Voici le conseil que les amis lui donnaient. Alors que ce garçon en question là, lui son étoile brillait, il était destiné à faire quoi, à réussir. Et le plan du diable, c'était de faire quoi? Placer sur son chemin plusieurs femmes, des femmes, pour le pousser à quoi? Au péché. Au péché, mes frères et sœurs, afin de le maintenir dans ce péché là, et que son étoile ne puisse pas briller. Mes frères et sœurs, ça veut dire que les femmes, beaucoup de femmes là, c'est mauvais. C'est un moyen que le diable utilise pour maintenir les hommes dans le péché, les jeunes dans le péché, et pour ne pas faire briller tout simplement leur étoile. Waouh! Et voici que ce jeune un jour sera en classe d'examen. Et en classe d'examen là, c'est là qu'il va voir que les femmes, les filles vont commencer à venir. Lui-même, il est là, elles vont venir. Ah, tu es beau, j'aimerais être avec toi. Tu es joli, j'aimerais être avec toi. Tu es ceci, j'aimerais être avec toi. Et lui, il se disait qu'il était beau, effectivement. Qu'il était beau, il était joli. Et que c'est normal que ses filles la viennent derrière lui. Oh, mon frère, c'est pas parce que tu es beau qu'elles sont là. C'est parce que ton étoile brille et elles veulent. Le diable les a envoyées. Le diable les utilise pour pouvoir éteindre ton étoile. Tu ne sais pas, c'est ça. Tu ne sais pas, c'est à cause de ça. C'est pourquoi tu penses que tu es trop beau. Et tu vas voir tes amis vont te dire, yeah, tu es trop beau, tu es trop fort. Continue dans ce sens. Franchement, tu es chic. Et voici qu'un jour, ce jeune-là va aller un jour dans un restaurant. Et arrivé à ce restaurant-là, il va rencontrer l'un des amis à son frère. Et son ami-là, c'est un musulman. Mais vous allez voir ce que ce musulman-là va lui dire. Ce musulman-là va lui dire, écoute bien, tu es un petit qui me respecte beaucoup et il faut que je te parle, je te donne quelque chose, je te donne un conseil, je te parle de quelque chose. Je t'ai remarqué au quartier ici, là, il y a plein de filles qui viennent derrière toi. Regarde, tu es en classe d'examen, non? Si tu vois que tu es en classe d'examen là, et que tu vois que plein de filles là viennent derrière toi là, c'est pas parce que tu es beau, hein.
c'est parce qu'elle veut te voir échouer à ton examen. Quand ce musulman-là, celui qui parle à les musulmans, lui, il est censé être chrétien. Le musulman lui a donné un conseil, lui a dit, écoute-moi, c'est pas parce que tu es trop beau que ces femmes-là arrivent, hein. C'est parce qu'elles veulent te voir échouer à ton examen. Et c'est le diable qui les envoie. Attention, dès que ce musulman-là lui a dit ça, bizarrement, ça lui a ouvert les yeux un coup. C'est-à-dire, les écailles de ses yeux sont tombées. Hey! Quand ces écailles de ses yeux sont tombées là, il a réfléchi un bon moment, il a dit, ah, celui-là c'est le frère à mon grand frère. Il n'a pas l'habitude de causer avec moi comme ça. Et regardez ce qu'il me dit. On n'a pas ce genre de conversation. En plus, sur les musulmans, s'il me dit ça, moi je crois. Automatiquement, vous savez ce que ce jeune a fait? Il a commencé à briser toutes ses relations avec ses copines, ses petites amies. Et il a commencé à rejeter toutes les filles qui venaient vers lui et se concentrer sur ses études. Quand il a abandonné ça là, vous savez ce qui a passé? La nuit, il dort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme avec queue de poisson qui arrive. Vous savez ce qu'elle lui dit? Que c'était moi qui étais dans toutes ces femmes qui sont autour de toi là. Pourquoi tu me rejettes aujourd'hui? Pourquoi tu me rejettes aujourd'hui? Quand il s'est levé là, il allait à l'église en même temps. Expliquer ça à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit que cette femme que tu as vue là, c'est une sirène des eaux. Et c'est elle qui travaille sérieusement pour te voir échouer. Échouer. C'est pas seulement ton diplôme que tu vas avoir cette année. C'est quelque chose de plus grand. C'est ton étoile qui était visée. Tu vas réussir. C'est pourquoi elle a placé toutes ses filles devant toi pour faire quoi? Te voir échouer. Wow! Mais mes amis me disaient que j'étais beau. Que j'étais l'homme le plus beau. Que j'étais un vrai gars. Une vraie personne du gars. Mais, waouh! Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Quand le diable passe tous ces choses devant vous là, c'est pour retirer la main de Dieu sur vous, afin de pouvoir tuer votre étoile, ne pas vous voir réussir. Alors faisons très attention les frères et sœurs. Faisons très attention à de telles choses qui nous arrivent. Voici, tu es là, tu es tranquille dans ton coin, et tout à coup tu vois plein de filles sont attirées par toi. Tu penses que c'est quoi qui fait ça? C'est le diable qui envoie ces filles là vers toi. Et toi tu penses que tu es trop beau, ou bien tu es trop chic. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas trop chic. Tu n'es pas le plus bel homme de la planète. Si elles arrivent vers toi là, si ces hommes arrivent vers toi là, c'est parce que tu as une étoile qui brille et ils veulent éteindre ces étoiles. Et qui est derrière tout ça? Le diable lui-même. Mes frères et soeurs, acceptons Jésus-Christ aujourd'hui. Et sortons de ces choses. Revenons à Dieu qui va tout simplement sauver notre âme, mes frères et soeurs. Et vraiment, sachons également que le sexe là, cette histoire de copine là, ce n'est pas bon. Le sexe est réservé aux gens mariés. Est-ce que tu es marié? Tu n'es même pas prêt à te marier. Est-ce que tu as des enfants? Toi-même là, tu n'es même pas... Est-ce que tu es prêt à avoir un enfant? Mais le sexe, tu penses que c'est pourquoi? C'est pour avoir des enfants. Tu n'es même pas prêt à avoir un enfant. Tu es encore chez tes parents même. Tu n'es même pas prêt. Mais tu as encore des histoires de goga. Tu penses que c'est qui fait ça? C'est des histoires de copines, de sexe là. Tu penses que c'est qui fait ça? C'est le diable. Maintenant, si tu dis que tu n'es pas dans ça là, toi qui es là, tu m'écoutes. Tu dis que non, tu n'es pas dans ça. Hein? Mais tu te masturbes, non? Ta femme là, c'est qui? C'est la masturbation. C'est la sirène des eaux qui est derrière tout ça. Et il y a plein de démons qui sont derrière ça. Si tu te masturbes, sache que spirituellement parlant, dans le monde des ténèbres, tu as des enfants. Alors, sortons de ces choses, les frères et sœurs, et vraiment, faisons très attention à la vie. Faisons très attention. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ce que tout le monde dit, c'est beau de ce monde, tu es du gars. Mais frères et sœurs, c'est faux. Attention, le diable travaille. 24 heures sur 24, si on peut dire même 25 heures sur 24 là, on va le dire, mais il travaille 7 jours sur 7, chaque jour pour plonger l'homme dans la souffrance. Si ton étoile brille, sache que tu aies fait quelque chose ou pas, le diable va se mettre à te combattre par tous les moyens, mon frère et soeur. Attention,
concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur ce qui est bon. Sur ce qui est bon, qui va te sauver la vie. Et ne va pas à gauche, ne va pas à droite, mon frère, ma soeur. Reste avec le Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Tu es jeune. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Étant jeune, c'est très beau. Tu as vu Salomon? Franchement, c'était trop beau. Moi, j'aimerais être comme Salomon. Qu'en penses-tu? Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Abonne-toi de cette vidéo. Active la cloche. Tu n'es pas manqué de cette prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser ou vous étonner. À bientôt. Dans ce report.